Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Je vous remercie d'être nombreux à l'écoute du Revas et de l'Amazone de Kensi. Car aujourd'hui, nous devons retourner à nos valeurs sources, à nos racines, afin de pouvoir sauver notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est malade. Longtemps, chers compatriotes, nous sommes battus pour des hommes. Nous avons négligé notre pays, qui est notre maman, aujourd'hui qui est malade. Les conséquences de tout ceci, notre pays a été capturé par des rebelles au pouvoir. Le peuple de Côte d'Ivoire vit dans la misère. Nos enfants meurent, sont emprisonnés. Aujourd'hui, nous devons nous ressaisir. Peuple de Côte d'Ivoire, du nord, de l'ouest, du centre, du sud et de l'est, nous devons nous retrouver derrière notre drapeau, notre hymne national, l'Abidjanaise. Vous comprenez? Dans le quatrième couplet, elle nous demande de nous unir derrière notre drapeau, de vivre que pour elle, de mourir que pour elle et de combattre que pour elle. La chose importante aujourd'hui, c'est la libération de notre pays. Mettons-nous ensemble, venez tous adhérer au Revas. Venez mener le seul vrai combat que nous avons aujourd'hui là. C'est celle du Revas. C'est de retour aux valeurs sources. Retourner à nos racines afin de puiser notre force et libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes trompés. Tout le monde peut se tromper. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Il faut absolument nous mobiliser. Il faut réfléchir comment faire et trouver une solution équitable pour sauver notre pays, afin de pouvoir vivre décemment. Et pour cela, retournons à nos valeurs sources. Réunissons-nous devant, derrière plutôt notre drapeau et réfléchissons ensemble à comment sortir de je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On va arrêter de tourner autour du pot. Rien ne va chez nous. Tout le monde est dans la misère. Vous comprenez? Tout le monde est dans la misère. L'Ivoirois aujourd'hui ne vit pas. Ne vit pas. Il ne trouve même pas à manger. Tout simplement parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas assuré. Nous n'avons pas assuré. Il faut prendre conscience de cela. Prendre conscience de cela et réfléchir ensemble comment faire pour sortir de cette situation-là. Et la solution que moi je vous donne, c'est celle du Revas. C'est la seule option aujourd'hui que nous avons. C'est de retourner à nos racines, à nos valeurs propres et réfléchir ensemble, nous unir tous derrière notre drapeau et notre hymne national, l'Abidjanaise. Vous comprenez? Nous n'avons pas d'autre solution que ça. N'est-ce pas? Donc, moi, en tant que femme, comme je vous ai toujours dit, aujourd'hui, il faut même changer de nom carrément. Le nom, il ne voit rien là. Ça nous a apporté que la poisse à ce jour. Il ne voit rien. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous avons fait tout ce merdier dans lequel nous nous trouvons. On ne voyait rien, on a fait n'importe quoi. Devenons tous des Ivoirois et des Ivoiriennes. Devenons des reines et nos hommes des rois et nous des reines. Et comportons-nous en tant que tels. Et quittons dans le merdier où nous sommes tous. N'est-ce pas? Donc, c'était ça. Voilà, chers compatriotes, je vais vous dire merci. Et puis, à bientôt. C'était l'Amazone de Kensi dans les brefs de Anne de Luce. Paix et joie à la Côte d'Ivoire.